cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation de l'institut. S'appelle l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 17e numéro de Bistronomie. Nous allons attaquer immédiatement avec énormément d'énergie, c'est quasiment la folie. Nous avons ce soir avec nous Alien. Alien, comment allez-vous ? Ça va très bien, bonsoir à tous. Le respectable Dave est avec nous aussi. Honoré d'être là parmi vous, bonsoir. L'insondable Ju est là quant à lui. Bonsoir tout le monde. Le truculent sympathique boy est parmi nous aussi. Bonsoir. Et pour nous faire remonter les réponses et les remarques qui viendraient du chat, nous avons la tout à fait délicieuse Nelly. Nelly, comment ? Bonsoir, ravi d'être de retour. Ah, il faut que tu lâches le bouton un peu plus tard, parce que sinon, ça, tu t'es coupé. Nous n'avons pas entendu l'entièreté de ta réponse. Alors, je disais ravi d'être de retour parmi vous. Ok. Nous allons commencer avec une première question très très simple. Enfin, en tout cas, la question sera très courte. Pouvez-vous me dire ce qu'est un turcoman ? Un quoi ? Un turcoman. Oh putain, je savais ce que c'était. C'est un animal ? Oui. C'est un mammifère ? C'est un mammifère, absolument. C'est un rongeur ? Absolument pas. C'est un lémurien ? Non, c'est pas un lémurien. Non, ce n'est pas un lémurien. Ça se déplace sur quatre pattes ? Absolument. Ça a des sabots ? Ça a des sabots. C'est une sorte de gazelle ? Je ne saurais pas dire. C'est proche d'une chèvre. Ça vit en Europe ? Ça ne vit pas en Europe. Alors en Asie ? En tout cas, il y en a en Asie, oui, ça c'est sûr. C'est pas un petit nom pour l'éléphant ? Non. Parce que ça n'a pas de sabots, un éléphant. C'est inconcevable, Dave. Ouais. Est-ce que ça a des cornes ? Ça n'a pas de cornes. Est-ce que ça hiberne ? Ça n'hiberne pas. Des sabots. Nelly, une proposition du chat ? Rien du tout pour nous. Ah, il y a Sparte. Ça vit dans les montagnes, ça crapahute ? C'est pas spécialement connu pour crapahuter. Ça peut le faire un petit peu, mais c'est pas spécialement connu pour ça. Est-ce que c'est une espèce de petit cheval ? Non. Ça a une trompe ? Ça n'a pas de trompe. Alien et Dieu, vous n'êtes pas intéressé par cet animal. Qu'est-ce qu'on cherche précisément ? Parce qu'à un moment donné, on va te dire c'est un turcoman. Tu cherches quoi comme critère déterminant ? Déjà, rien que son nom me trigger. C'est un genre de bovidé ? Ce n'est pas un bovidé. Le turcoman, indice, est un hybride. Hybride de quoi ? Du cheval et du chameau. Non, ça marche pas, ça. Ça chauffe. Cheval et du zèbre. Ça chauffe. Ah, ça chauffe encore. Le zèbre et un cheval, c'est ça ? Non, t'as dit cheval et zèbre ? Non, ça refroidit. Ouais. Cheval et dromadaire ? Non, ça chauffe. Ah bah, dromadaire et chameau. Ah, putain. Et donc oui, un turcoman est un hybride entre un dromadaire et une chamelle. Le point va donc à Alien. Félicitations à toi, Alien. Plein de connaissances malgré tes 14 ans. Donc un dromadaire et une chamelle, l'union des deux donne naissance à un animal avec une bosse légèrement subdivisée en deux. Alors, contrairement à... Et c'est immense. Attends, laisse-moi finir. Contrairement à beaucoup d'autres hybrides, celui-ci est capable de se reproduire, hein, ce qui en fait sa particularité. Et dans certains pays où les espèces coexistent, notamment au Kazakhstan, les turcomanes est souvent utilisé parce que ça allie la robustesse du chameau et la productivité laitière du dromadaire. Le turcoman, oui, sympathique boy. Ouais, c'est un truc immense. Il est beaucoup plus grand que le chameau. Voilà, le premier point ira à Alien. Bravo à toi. Donc en fait, c'est un chalumeau ou un dromaludaire, un truc dans le genre. C'est ça, c'est un chalumeau. Question suivante. Pouvez-vous me dire, messieurs, quel est le plus grand rassemblement humain de la planète? Devin, ce mec va Burning Man. Le pèlerinage à la Mecque. Alors, jeu en premier. Le pèlerinage à la Mecque. Non, Dave. Non, c'est la grande réunion religieuse qui réunit tous les courants religieux hindouistes en Inde. Alors, j'imagine que personne ne va trouver le nom. Non, j'ai oublié. C'était dans Faut pas rêver en 1998, j'ai oublié. Il y avait une BD où un mec détruisait un lieu religieux pendant ce pèlerinage, mais j'ai oublié le nom. Alors, il y a déjà la moitié du point à Dave. Nelly, est-ce que tu as le nom dans le chat ? C'est pas la fête des couleurs, juste cette réponse, c'est pas la fête des couleurs. Non. Nelly, est-ce que tu as la réponse dans le chat ? Rien du tout. D'accord. Bon, alors vu qu'il n'y a pas de réponse dans le chat, tu vas avoir le point en entier, Dave. Ça s'appelle le Kumbh Mela. Ça se tient tous les 3 ans, alternativement dans 4 villes sacrées. Et c'est un pèlerinage qui rassemble des millions de croyants. Donc, et tous les 12 ans, cet événement prend de l'ampleur avec le Maha Kumbh Mela. C'est le super Kumbh Mela. En 2013, ça aurait réuni, accrochez-vous bien les enfants, 120 millions d'hindous sur les rives du Gange. 2 fois la population de la France, qui se retrouvent pour faire des grillades. Donc,
le point. Des grillades. Notamment, et des rillettes. Ouais. Il y a même les, je crois que ça s'appelle les sadous, je suis pas certain, ceux qui sont à poil. Même eux, ils descendent en ville à poil et tout, ils descendent des montagnes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les dates précises de du Kumbh Mela, celui qui a lieu tous les 12 ans, là, ils sont déterminés par des méthodes astrologiques, comme souvent en Inde, qui sont basées sur les positions du Soleil, de la Lune et de Jupiter. Voilà, messieurs. Donc, notre président, voilà. Toujours aussi luisant. Un point pour Dave. Égalité, un point pour Dave, un point pour Alien, c'est formidable. Question suivante. Pouvez-vous me dire rapidement, ça ne vaudra pas de point, quel est l'acteur du film Edward aux mains d'argent? Johnny Depp. Johnny Depp. Mais qui, avant lui, voulait absolument jouer ce rôle et n'a pas été accepté par le réalisateur dont vous allez me donner le nom qui s'appelle Tim Burton. Alors, qui voulait jouer ce rôle, mais que Tim Burton a refusé? Harrison Ford. Non, du nom d'œuvre. Keanu Reeves. Excusez-moi, je viens de bouger. Non, pas Keanu Reeves. Il est... Ah, c'est un acteur plus âgé, plus ancien qu'à l'époque Johnny. Il y a deux questions dans ta question. Il est plus âgé, oui, je veux dire, plus âgé. C'était un acteur avec plus d'expérience et de bagage que Johnny Depp à l'époque. Il y a deux questions dans ta question. Encore? Oui. Alors, est-ce que le comédien qui voulait absolument jouer Edouard aux mains d'argent avait-il une filmographie plus étendue que Johnny Depp? Il y a deux questions dans ta question. Encore? C'est mal parti, hein. Non, là, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule question, mais allez, je vous aide parce que ça va être très long. Ça impliquerait que celui qui reprend ce rôle était un acteur. Un comédien. Était-ce une actrice? Non. John Malkovich. Non. Quelqu'un de la chanson? Quelqu'un de la chanson de Nelly a-t-il une proposition dans du chat? Sim m'avait proposé Jackie Chan. Non, ce n'est pas Jackie Chan. Madonna. Non, bon, il faut que tu fasses un effort et que tu différencies les hommes des femmes. Ça commence à être trop long. Fassbinder. Non. Je ne sais pas. Il a pris des chanteurs, Fassbinder. Michael Jackson. Et le point va Sympathic Boy. Ah. Absolument. Le Suisse, on a toujours l'impression qu'il comprend rien à rien, et tout d'un coup, un éclair de génie, il se rappelle de son prénom. Effectivement, c'est Michael Jackson qui voulait absolument jouer le rôle de Edward dans le film Edward aux mains d'argent de Tim Burton, parce que le personnage du film lui rappelait sa vie. Mais finalement, c'est Johnny Depp qui décroche le rôle. Et pour la petite histoire, qui est fasciné par le film, Michael Jackson racheta les fameux ciseaux du personnage, qui sont ses gants, ses doigts, la terminaison de ses membres supérieurs. Un point pour Sympathic Boy. Ah, ex-aequo avec Dave et Alien. Bravo. Ouais, t'emballes pas. Nous allons retourner dans les animaux. Alors, quand je dis dans Sympathic Boy, tu vas te masturber dans le domaine animalier, plus précisément. Alors, cette question va... Nous allons parler des girafes. Comment fait une femelle pour voir qu'un mâle a atteint l'âge de la maturité sexuelle chez les girafes? Parce que il se préoccupe de son arrière-train, du coup elle comprend. Non, du... La taille du cou? Non. Il se bat avec les autres? Non. Il se bat avec elle? Non. C'est à la couleur des taches ou les dessins qui changent sur le corps? Le point va du. Effectivement, si vous regardez le reportage animalier, vous vous rendrez compte que sur le cou de la girafe notamment, les taches sont plus claires ou marron. Et en fait, à partir de 7 ans, sous l'effet de l'augmentation du taux de testostérone, les taches des girafes mâles foncent, elles deviennent de plus en plus foncées, pour devenir noires à peu près vers l'âge de 10 ans. Et c'est justement l'âge de la maturité sexuelle, c'est un signal qui permet aux femelles de comprendre que c'est le moment pour prendre une petite saillie des familles. Donc le point va du égalité parfaite. Nelly, est-ce que tu avais une proposition qui ressemblait à ça? Les bistronomes ont été rapides. Rien qui ressemblait à ça, non. Ah, quelque chose qui te fait rire peut-être. Bon, non, pas spécialement, ils sont pas très drôles. D'accord. Question suivante. Un point partout, balle au centre. Tout le monde connaît l'expression consacrée pour les coccinelles. On dit que les coccinelles sont des... insectes. Non, mais oui, mais selon l'expression... Des bêtes à bon Dieu. Des bêtes à bon Dieu, exactement. D'où vient cette expression de bêtes à bon Dieu? D'un pape. Alors, l'expression, tu sais, une expression, c'est pas un individu qui décrète, cette expression-là rentre dans le langage courant. Alors, vas-y, précise alors. Alors, c'est parce qu'un pape a eu une histoire particulière avec la coccinelle, et du coup, on a décrété qu'il fallait protéger les coccinelles pour, je sais pas, tiens, je vais proposer que ce pape, il adorait ses jardins, ses fleurs, et il avait remarqué que c'était bien pour protéger les fleurs. Parce que ça bouffe les pucerons. Et du coup, on a dit, pas touche, parce que le pape, il les aime, alors c'est la bête à bon Dieu. En gros, le mec, il balance tout ce qu'il sait sur les coccinelles. C'est ta réponse, Adam? Oui. C'est absolument pas du tout ça. Elles ont été recommandées dans les herbiers des moines au Moyen-Âge. Non. Alors, bête à bon Dieu.
Est-ce que c'est parce qu'elles étaient annonciatrices de quelque chose? Elles annonçaient un bon... Non. Alors, bêta bon Dieu, d'où ça peut venir, Nelly? Est-ce que le chat a peut-être une fulgure? Alors, ce qu'il me propose, c'est parce qu'elle est rouge et noire comme une figure du diable. Non. Neko demande si elle se posait sur une sorcière, on cramait la dite sorcière. Non. Bon, voilà, c'est tout. Je vous ça a à voir avec sa couleur rouge? Pas du tout. Tout ce que je sais d'autre des coccinelles, c'est que les petits-enfants, ils comptent les taches, les points noirs pour connaître l'âge de la coccinelle. Ça nous aide pas trop, mais oui, c'est... Aucun rapport. Tu veux peut-être nous raconter tes vacances dans la Creuse en 82. Personne n'a d'autres propositions ni de réponse. Nelly, t'as plus rien qui survient du chat inopinément? A priori, non. Alors, je vais vous donner la réponse. Peut-être, Neko nous propose... Elle se posait sur le front des bébés, et du coup, c'était la marque que Dieu protège le bébé. Non, c'est pas ça, mais c'est un petit peu dans cette idée-là. Le surnom, ça viendrait d'un fait historique. Tout simplement, du Xe siècle, un homme dont on n'arrive pas à retrouver le nom était condamné à mort et aurait vu se poser sur son cou au moment où il devait décapiter une coccinelle. Et comme celle-ci ne voulait pas foutre le camp, elle restait là, on avait beau lui dire dégager, restez là, le condamné fut gracié sur décision du roi Robert II de France qui affirma que la coccinelle était en mission divine. Ouais. D'où la bête à bon Dieu. Je tiens juste à faire remarquer que si ça avait été une mouche à merde... Bref. Bah là, ils auraient fait d'un coup de hache, ils auraient réglé deux problèmes. Donc, imagine par exemple, ça aurait été un Cahuzac sauvé par une coccinelle. Bref. Bien, le point irait donc à personne. Je suis satisfait. Alors, question suivante. Nous allons tranquillement nous balader du côté de la Chine. Gang, gang, gang. En Chine, il y eut une grande famine entre 1958 et 1961 qui provoqua la mort de, alors c'est une paille et une broutille, on va pas commencer à s'arrêter à ça, 30 millions de Chinois, t'y bien compté, de 1958 à 1961. Quelle est la cause de cette grande famine? La révolution culturelle? Non. Les Anglais? Pour moi, les Anglais sont la cause de tout, mais là, non. Les Américains? Non plus. Mais ça marche aussi. C'est pas le... Comment est-ce qu'on appelle ça? La migration vers les villes qui a fait que plus personne n'était là pour cultiver les champs? Non. Attends, une éruption volcanique? Alors, dure éruption volcanique, non. Alien, je t'écoute. Tu peux répéter la date, s'il te plaît? De 1958 à 1961. C'était un jeudi. C'est une erreur de planification du bureau du Parti communiste chinois? Qu'est-ce que tu veux dire par planification? Bah, ils organisaient, je sais pas si c'est sur 5 ou plus d'années, mais ils organisaient donc les productions agricoles et compagnie du haut vers le bas. Et donc là, ça a complètement foiré, non? Ou alors ils ont oublié de nourrir une région ou une connerie. C'est pas ça, mais ça commence à chauffer un tout petit peu. Ça chauffe, oui. Nelly, est-ce que t'as une proposition? Alors, c'est Sparte qui nous propose. Les récoltes étaient mauvaises parce qu'il y avait une productivité trop élevée avant, rendant les sols infestés. Non, c'est pas ça. C'est quand ils ont exterminé les oiseaux et puis les insectes. Exactement. Le point va sympathique, Boy. Alors, je vais préciser. Quand Mao Tse-tung a lancé une grande campagne d'autosuffisance alimentaire avec exploitation agricole, il a déterminé qu'il y avait 4 nuisibles qu'il fallait absolument détruire pour accroître la productivité de l'agriculture. Funeste erreur, qui a coûté la vie à 30 millions de personnes. Il fallait éliminer les rats, les mouches, les moustiques et les moineaux. Et donc, il y a eu une éradication massive des oiseaux qui a amené une prolifération des insectes qui ont ravagé les récoltes. Et ça conduit à la grande famine entre 1958 et 1961. Donc tout le monde dit le communisme tue. Oui, potentiellement, mais essentiellement les conneries agricoles. Voilà, messieurs, le point ira aux Suisses qui mènent. Je ne sais pas si nous sommes dans une autre dimension. Docteur Wu, Docteur Strange, je sais pas ce qui se passe. Mais le Suisse mène au score. Je vois que ça vous laisse sans voix et je comprends. Question suivante. Encore un... Je suis très animalier ce soir, j'aime pas faire attention. Aux États-Unis, il y a une espèce d'écureuil terrestre qui a une technique très très particulière pour éviter de se faire bouffer par les crotales. Qu'est-ce qu'il fait? Ils dressent leur queue et ils l'aplatissent. Enfin, elle a l'air de ressembler à un serpent dressé. Je te rappelle que pour les... tout à l'heure, girafe, tu as dit que pour la reproduction, il fallait sentir le cul. Là, pour le crotale, il faut sortir la queue. Dave, calme-toi, s'il te plaît. Levez la queue, ce n'est pas ça. Est-ce que ça vous ennuie d'en discuter, Dave? Il lui pisse dessus. Non. Alors, comment fait cet écureuil pour se prémunir des crotales? Il lui envoie un jet de je sais pas, d'un fluide corporel qui fait partir le crotale? Non. Il jette des cailloux, des objets, des bouts de bois? Non, il jette rien.
Il fait le mort. Ne fais pas le mort. Nelly, est-ce que tu as une proposition? Il fait un cri qui ressemble au cri du prédateur naturel du crotale. Non. Il grimpe dans les arbres comme un écureuil. C'est original, mais non. Il se réfugie auprès des humains? Il se réfugie auprès des humains, non. Non. Est-ce que ça implique un contact avec le crotale? C'est-à-dire? Un vrai contact physique. C'est-à-dire que pour pas avoir de contact physique avec le crotale, il leur faut un contact physique. Pour résoudre une situation de danger, il vient au contact, non? Non. Il s'enterre dans le sable. Il s'enterre pas, il ne siffle pas. Il imite le mouvement du crotale? Non. Alors, petit aparté, messieurs les bistronomes, essayez de les messages écrits, de les mettre dans le même salon. Je vous propose le salon, les bistronomes. Je vous écoute pour d'autres propositions, à moins que Nelly ait quelque chose qui nous vienne du chat. Alors, je réponds. Cette nous propose une monte aux arbres. Est-ce que c'est une diversion en faisant du bruit, peut-être? Non. Il tape des pattes par terre, ça fait des vibrations. Non. Il appelle tous ses potes et ils se mettent tous à entourer le crotale qui se retrouve tout seul et il se fait bolosser. Ah ouais, une espèce de gangbang à la Pascal Obé, mais non. Il emmerde pas le crotale et le crotale le touche pas. Le bon sens suisse, non. Il demande c'est combien et puis il paye. J'ai pas parlé d'un écureuil de Boulogne, hein. Je te parle des États-Unis. Ni d'un crotale juif. Ni d'un crotale. Voilà. Avec l'argent, on peut s'arranger. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Mais vous séchez encore, il va falloir que je vous donne la réponse. C'est-à-dire que vous laissez... Oui, merci. Mais en boule, il change de forme. Il change de forme. Il ne change pas de forme. Il se téléporte. Allez, je vous aide. Il imite quelque chose. Un serpent. Il imite la mangouste. Non. L'aigle. Alors, un rapace. Alors, il n'imite pas un autre animal. Le terme que j'utilisais, limite, n'est pas bon. Il y a de chez lui une forme de subterfuge, mais il n'imite pas un autre animal. Enfin, pas physiquement en tout cas. Pour faire diversion, il fait semblant qu'il y a des bébés à lui pas loin. Et le crotale, il pense qu'il y a une proie plus facile. Alors il se... Stratégie palestinienne, non. Il imite la tronçonneuse. Non, c'est pas ça. Nali, t'as pas d'autres propositions? Je vais pouvoir donner la réponse. Alors, qu'il tape... Ça va, Dick Boy, en premier, ensuite Nali. Désolé. Est-ce qu'il tape par terre pour faire croire qu'il y a un véhicule qui passe? Non. Vas-y, Nali. Il se met en boule comme un rocher. C'est très mignon. Je sais pas qu'on avait des enfants dans le chat, mais non, c'est pas ça. Il agite un truc devant le crotale pour que le crotale s'attaque au truc pendant qu'il s'enfuit. Non, c'est pas ça non plus. Ou encore, il tape sur les bambous. Ça lui va bien, a priori. Ça lui va bien, oui. Il imite le son de la queue du crotale, la vibration de la queue. Non, c'est pas ça. Il imite Crocodile Dundee arrivant et disant « Oh, ça fera un excellent ceinturon ». Non, il n'imite pas une... Comment dire ? Crocodile Dundee en disant « Ça, c'est un vrai couteau ». Une dernière proposition à chacun. Si on n'a pas, je donne la réponse dans 5, 4, 3. Ok. Alors, comment fait ce petit écureuil pour se prémunir du crotale ? Tout simplement, il le mâchouille de la peau de serpent issue de leur mue et il se lèche de façon à répandre l'odeur sur son corps. Comme ça, sa propre odeur se trouve masquée s'il se trouve à proximité du prédateur. Du prédateur. Du prédateur. C'est coton, je dirais pas un chien vérolé. Voilà, le point. Attention, on parle pas de Predator. Hein. Certains dans le chat n'aiment pas trop ce film. Enfin, des enculés. Je suis d'accord, des enculés. Bien, le point ira pour personne. Je vous rappelle donc que Sympathic Boy mène au score. Hein. Je sais pas si vous êtes conscient de ce qui se passe. Hein. Je pense que nous sommes en train de vivre à quatre fins du monde. Question suivante. Quand les astronautes, question plutôt pour Dave, il semblerait, quand les astronautes sont en mission, donc dans l'espace, voilà, je sais pas s'ils font du foot ou des merdes, ils ont établi avec les différents en cuisinier, il y a une sorte de consensus alimentaire. Quel est-il, ce consensus alimentaire? Nourriture occidentale. Non. Pas de miettes. Non. Alors, il y a un consensus, oui, au niveau de la nourriture. Quel pourrait être ce consensus? Quelque chose que les astronautes préfèrent. Pas de viande, végan. Non, c'est pas ça. Quelque chose que les astronautes peuvent faire. Préfère. Le sucre. Non. Du vin plutôt qu'une merde anglaise. Non, ça serait du bon sens, ça, mais non. Pas de sel. Non. Pas d'huile de palme. Mais tu les vois vraiment tous comme des... tu vois, les astronautes qui manifestent, tu sais. Il y en a marre de la déforestation. Ça date de quelle... Attends, juste, quelle période de la conquête spatiale on est là? Alors, cette info-là, elle date de 2012. Donc, tu vois, c'est déjà ça date. Hein. C'est l'ISS, quoi. Et comment dire, ce consensus existe toujours. Ah, pas de... Oui, pas de trucs qui font péter. C'est vrai qu'il y a...
Ils sont cloisonnés, ça peut être particulièrement désagréable, mais non, c'est pas ça. Pas de vodka. Non, alien du. Pas deux fois le même plat pendant leur séjour. Alors, on sait que la diversité est essentielle quand on est enfermé, mais, ou isolé, mais c'est pas ça. Enfin, si, c'en est une, mais ça paraît évident. Nelly, aucune proposition qui vient du chat? Alors, on me proposait aussi le pas de faillot ou autre du genre. On me propose sinon pas de bouffe indienne. Ça, c'est vrai que... C'est du bon sens. Ouais, c'est du bon sens. Pas de sauce. Voilà, bah non. Et Tim nous dit pas de nourriture. Voilà, pas de nourriture, ce qui est quand même une forme de consensus. Photosynthèse. Ouais, ils font le jeûne catholique pendant 2 ans. Alors, si vous n'avez pas la réponse, une fois de plus. Vas-y, non, allez-y. Attends. Quand même, l'espace. Ça a un rapport avec la texture de la nourriture? Pas la texture. Alors, c'est pas de propriété laxative. Non, sympathique boy, et oui, le goût, Dave. Pas de... C'est par rapport à un goût artificiel? Pas spécialement. Ce que j'allais dire, sinon pas de sucrine, là, comment ça s'appelle? De faux sucre. Aspartame. Non, rien à voir. Que du bio. Non, c'est pas ça. Après, peut-être qu'ils font de fromage, la fromage. Pour la permaculture, dans l'espace. Entrée, plat, fromage, dessert. Tu sais ça, ça m'étonnerait. Tu sais si le cap fait facturer ou... Pour l'argent, c'est produits laitiers. On entend les produits laitiers, des trucs pour la vie. Merde, c'est quoi les... Des sont amis, tes amis pour, la pour la vie. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Oui, c'est ça. Non, une sensation pure. Est-ce que c'est un aliment qu'ils ne veulent pas? Non, c'est pas ça. Nelly, ah, est-ce que t'as un truc? Personne ne veut chez Bruxelles. Enfin, c'est bon. Alors, on propose pas de produits amers. Non. Pas d'œufs durs. Non. Question. Attends, Nelly finit. Nelly finit. Pas d'écureuil goût crotal. Pas idiot, ça se défend. Vas-y, Dave. Ouais. C'est un consensus pour bannir ou interdire quelque chose, pour ne pas l'embarquer, ou pour en avoir systématiquement? Plutôt pour en avoir. Okay. Quelque chose qu'on veut, forcément. Quelque chose, ouais, c'est ça, tout à fait. Des boulettes de kefta. C'est bon, en plus, ça, c'est ça. Du chocolat. C'est un assaisonnement? C'est un assaisonnement. Touche du doigt la réponse. Du tabasco. Poivre. Alors, du coup, comme vous avez tous les trois dit des choses qui pourraient... vous avez chacun dit des épices, je peux donner le point à personne. Et le point ira absolument personne. Je vais vous donner la réponse, sinon on va tourner autour du pot des heures. En fait, les astronautes en mission préfèrent généralement la nourriture très épicée pour les repas dans l'espace. Et est-ce que vous savez pourquoi? Quelqu'un Parce qu'ils perdent le goût, ils ont moins le goût, en fait, quand ils sont... Ouais, ils sont... En fait, avec l'absence de gravité, les fluides, donc les astronautes, sont plus présents dans le niveau de la tête. Et ça donne l'effet, vous savez, un petit peu comme quand on a la crève, de tête gonflée. Et des symptômes qui sont similaires à la crève, au rhume, quoi. Vous savez comment on est quand on... On sent plus les goûts. Exactement. Et donc, l'odorat étant affecté par ce sentiment de tête gonflée, on va dire, et il ressentirait moins les saveurs, ils reconnaissent tous manger beaucoup plus épicé que sur Terre, parce qu'ils sont, leur qualité, comment dire? Gustative, merci, sont altérées par le phénomène d'apesanteur. Putain, je le savais. Bah, voyons. Et pourquoi tu ne l'as pas dit, cher ami? Parce qu'au moment où ils ont dit poivre, machin et tout, j'allais dire plus épicé, parce que c'est ce à quoi j'étais en train de penser. Mais ben voyons. Ouais, moi aussi. Parce que je me rappelais d'avoir lu ça quelque part, une histoire de qui perdait le goût, un peu de goût, et que du coup ils avaient les plats qui étaient plus épicés pour avoir plus de goût. Mais ouais, ça veut dire Alors, question suivante, le point 20, personne le suisse mène encore, c'est insoutenable. Hein. Je vous tout de suite, je pleure. Question suivante. Le comte de Mirabeau, c'est le premier homme à être rentré au Panthéon en 1791. Mais c'est aussi le premier à en être sorti en 1794. Pourquoi? Girondin? Non. Ouais, il faisait pas partie du bon clan des révolutionnaires. Non. Il était de la les comtes noblesse ou c'est de la bourgeoisie? Alien, moi je ne sais pas. Il avait été embaumé n'importe comment, puis ça puait la merde. Non. Non. Ils ont changé les critères de panthéonisation? Non. Attends, c'est quelque chose sur sa vie qu'on a appris plus tard, c'est ça? Exact. C'est quelque chose sur sa vie c'est qu'on un a appris PD. Après sa mort, non. Une lettre posthume? Non. Il est rentré en 91, t'as dit? Ouais, il est ressorti en 94. Il était mort en quelle année? Alors là, j'ai un gros souci, je n'arrive plus à accéder à mes sources. Donc, entre-temps, le roi était décapité. D'ailleurs, aujourd'hui. Voilà. C'est jour ça. De l'enregistrement. Est-ce que c'est un lien avec cette mort du roi? Non, pas directement avec la mort du roi. Il avait le pasque pour 3 ans.
Il n'est pas pris un compte premium. Non, c'est pas ça. Il était royaliste. On a appris qu'il était royaliste. Non, c'est pas ça. Il pouvait pas piffer Robespierre ou Danton. Non, c'est pas ça. Alors, est-ce que Nelly, t'as une réponse qui te viendrait du chat, une proposition? Ça nous propose, il a collaboré avec les Prusses. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous propose qu'on donne le point au chat. C'était les Anglais. Tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'est les Prusses, parce que je vous avoue que j'ai un souci sur le truc où j'ai copié-collé le truc et j'arrive plus à accéder à mes sources sur cette source-là. Alors, on ne saura pas qui. Peut-être que Liane va pouvoir nous dire. Mais, en fait, il y a un coffre-fort secret qui était situé dans les appartements de Louis XVI au palais des Tuileries, dans lequel a été découvert, il y avait des informations qui prouvaient que le comte de Mirabeau était un agent double. On a su, ça plairait à Plume. On a découvert sa duplicité après sa mort, et du coup, on a évacué son corps par la porte de derrière pour pas que, quand l'information filtrerait dans pour la plèbe, il soit découpé. Alors, pour ceux qui s'intéressent au sujet, la cathédrale Saint-Denis, pendant la période révolutionnaire, il y a eu des choses qui ont été particulièrement dégueulasses, qui ont été faites au corps qui était contenu là-bas. Le point ira au chat et donc à Cède. Voilà, je vous rappelle juste que ce maudit Suisse mène toujours au score. Aliane, tu nous fais un point sur les scores, justement, s'il te plaît? Bah, donc, il y a un point pour Dave, moi et Ju. Alors, le Suisse mène, c'est très bizarre, et il y a pour le chat un point aussi. Très bien, question suivante. La taupe, tout le monde sait ce que c'est que... C'est vachement encore animal, encore. Hein. Ouais, c'est comme tout le Mirabeau, là. C'est ça. Elle a une manière bien à elle de se prémunir de la faim. Que fait-elle? Elle mange de la terre. Non. Elle mange ses excréments. Non, elle n'est pas Suisse. Elle met de côté des vers de terre. Ah, tu brûles. Mais Elle conserve un peu de vers de terre qui, pour les laisser se reproduire. Alors, justement, non. C'est là, le point ira à celui qui pourra me dire comment elle fait pour se mettre des vers de terre de côté. Un ver pour la soif, j'ai envie de dire. Elle les attire dans sa galerie. C'est un chemin privilégié pour les vers. Ils sont confortables dans ces galeries. Non, alors je précise. Elle les tue, elle les laisse sécher. Non, justement. C'est là que c'est intéressant. Les met dans le scénario, je sais pas. Elle leur fait un petit enclos avec des pierres, des petits cailloux. Putain, bistronomie d'émission pour les enfants. Non, elle a une technique tout particulière pour les conserver en état. Elle les avale sans les couper, sans les mâcher, elle les régurgite après pour les remords. Donc elle conserve en vie les vers de terre, c'est ça? Oh oui. Elle leur fait changer de direction, c'est-à-dire qu'elle leur fait tourner en rond, en fait. Non. Elle les appâte et il reste une partie de sa galerie où elle peut les retrouver. Non, les vers de terre ne bougent plus après qu'elle ait agi. Ah, elle les noue, elle fait un nœud. Non, l'idée est cool, mais non. Nelly, t'as une proposition? Attends, Nelly, le chat, c'est une proposition. Alors, Neko propose, elle ne mange que la moitié et garde l'autre moitié pour... Elle leur mange la tête. Le point va à Ju. Répète ce que tu nous as dit, Ju. Elle leur mange la tête. Exactement. Quand c'est la saison d'hiver. Ceci est un réenregistrement causé par un défaut de captation lors de l'émission. Merci de votre compréhension et pardon pour la gêne occasionnée. Elle coupe la tête avec ses dents, juste la tête, paf, et ça plonge les vers de terre dans un état de ce qu'on appelle une diapause. Rien à voir avec des diapositives. Une diapause. Il reste vivant, mais paralysé. Et du coup, elle les met de côté et elle les bouffe quand elle a la dalle. Elle les décapite pour pouvoir les garder en état de diapause. Voilà ce que fait la taupe, petit animal mignon de nos jardins. Le point vaincu, sympathique boy est rejoint au sommet de l'état. Nous avons deux concurrents à deux points. Bien aidé par Neko quand même. Neko avait tout à fait. Neko avait bien mis sur la voie, exactement. Moi, il me fallait que la précision de la tête qui saute, mais effectivement, Neko avait fait une grosse partie du chemin. Question suivante. Est-ce que vous pourriez me dire, donc c'est une question de chiffres, voyons voir combien il y a de personnes sur le chat. Ok, vous êtes peu nombreux, acceptez une réponse de tous les participants du chat. Il va falloir me donner le nombre d'habitants dans la plus petite capitale du monde. Combien il y a d'habitants dans la plus petite capitale du monde? Je sais. Alors, nous commencerons par Alien, à vous de lui faire confiance ou pas sur son chiffre. À toi Alien. 17 000. 17 000, Dave. 320. 320, Ju. Notez-les-moi à l'écrit dans les bistronomes d'ailleurs, en plus de le dire à l'oral. Ju. 15 000. 15 000. Sympathique boy. 5 000. 5 000. Je te laisse, Nelly, me dire les chiffres du chat. Alors, j'ai 35 de la part de Sim. Ça nous dit 20 000. Et Neko nous propose 300. 300, d'accord. C'est bon, c'est toute la réponse que tu as, Nelly? Ça finit de ton côté? Ouais, fini pour moi. Et le vainqueur, déjà, n'est pas alien. Qui se trompe?
Le vainqueur est un bistronome. Il va rejoindre ses compatriotes à deux points, c'est Dave. Je crois que vous avez fait beaucoup de progrès, Dave. Avec 320, il y a à peu près un petit peu moins de 400 habitants. Alors putain, si je réussis à prononcer le nom de ce ville, il va falloir m'ériger une statue qui s'appelle Nanjerulmud. Nanjardin. Voilà, nous appellerons Nanjardin. Donc Nanjardin, c'est la capitale des Palaos. C'est un pays d'Océanie de 21 000 habitants. Et c'est la capitale donc Nanjardin la moins peuplée du monde. Et en fait, cette capitale, c'est juste un parlement qui a été construit à côté d'un petit village. Le petit village s'appelle Melekeok. Voilà. Donc le point va, bien sûr, à Dave. Question suivante. Et je crois que c'était Neko qui était proche encore. Elle avait dit 300, je crois. Ouais. Ouais. Allez, je suis sûr que ce pays n'existe même pas, de toute façon. C'est comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici ce qu'est un quadripoint ? Ça ne vaut pas de point, justement. Bah, c'est une frontière où quatre États se rejoignent. Exactement. Donc, il y a des quadripoints. Première question, est-ce que vous savez s'il y a des quadripoints internationaux dans le monde ? Internationaux ? Oui. Je crois qu'entre la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan, non ? Non, il n'y a pas de quadripoints internationaux. Il n'y a que des quadripoints qui correspondent à des grandes régions ou à des États. Il va falloir, chacun va pouvoir me donner une réponse, me dire dans quel pays du monde il y a, on va accepter grandes régions ou États si vous préférez, dans quel pays du monde il y a ça. Aux États-Unis. États-Unis, Dave. Pareil, États-Unis. Du. Russie. Russie, sympathique boy. En Suisse. You're lady. En Suisse, putain. Le chat, Nelly, t'as des réponses Non, les États des USA. Alors, je me rends compte que ça me fait beaucoup de points à distribuer. Ma question était nulle, en fait, en la lisant. Ce que j'avais, en fait, vous prévu de vous demander quels étaient les quatre États des États-Unis qui correspondaient au quadripoint. Donc, ce que je vais faire, parce que ma question était vraiment nulle à chier, je me suis démerdé comme un tocard, je vais donner un demi-point à ceux qui m'ont dit États-Unis. Je ne vais pas donner un point complet. Voilà. Ça me paraît logique. Donc, un demi-point pour Yann, un demi-point pour Dave et un demi-point pour le chat. La question improvisée par un commentateur contrarié de voir quelqu'un mener au score. T'as les quatre États, Yann ? Je t'écoute. Alors, Nouveau-Mexique, Utah, Arizona. Oh putain, un dernier. Attends. Texas ! Kansas ? Non ? Non, si tu m'avais trouvé le Colorado, je te donnais le point quatre fois tout seul. Oh putain, merde. Mais tu peux te consoler, Alien, la prochaine question... tu devrais normalement avoir le point. Donc là, un demi-point pour Alien, un demi-point pour Dave et un demi-point pour le chat. Question suivante, écoute bien cette question Alien, les points te sont destinés. Quel est l'alcool le plus vendu en Guadeloupe ? Le rhum ? Non, pas le rhum. L'alcool de banane ? C'est pas l'alcool de banane. Le planteur ? Le ? Planteur. C'est du rhum. Non, pardon, c'est pas le planteur. C'est l'alcool à 90 pour en tant qu'antiseptique ? Non. L'alcool de café ? C'est l'alcool de canne, de tout court. Non, et la Guadeloupe est classée en tête des départements qui en consomment le plus en France. Nelly, a une proposition peut-être ? Voyons voir. Torchev. Non. Alors... le sirop pour la toux. Attends, c'est Nelly qui parle. Sim nous propose le champagne, il a l'air assez euphorique, donc je miserais. Eh bien, le point va au chat. Exactement, Sim a raison. Donc on pourrait croire forcément qu'en Guadeloupe, c'est le rhum, l'alcool le plus vendu, mais en réalité, c'est le champagne. Avec 1 600 000 bouteilles vendues pour 400 000 habitants. Ça, c'était le chiffre de 2010. Et la Guadeloupe est classée en tête des départements qui consomment le plus de champagne en France. Il y a une telle activité touristique, et notamment une activité touristique de personnes plutôt aisées, qui a une très forte consommation de champagne. C'était un piège dans lequel vous êtes tous tombés, sauf notre ami 6 millions, qui pour une fois a compris... quelque chose qui organise, d'ailleurs, tous les lundis où il n'y a pas bistronomie, il organise une excellente émission, le Bistrof, dont je vous invite à participer, bien évidemment. Le point va au chat. Tu nous fais un point sur le score, s'il te plaît, Alien. Alors, pour nos grands amis du chat, c'est 2,5 points, tout comme pour Dave. Pour Jus et Sympathique, Boy 2 points. Et pour moi, en bon dernier, 1,5 points. Très bien. Question suivante. Il y a un livre qui a été écrit par Paul Edmond, qui est un livre très particulier. Qui s'appelle « La danse du fumiste ». En quoi ce livre est particulier ? Il n'existe qu'en braille ? Non. Il n'y a qu'une page ? Non. Il n'y a pas de verbe ? Non. Est-ce qu'on peut le trouver dans une bibliothèque ? Je pense que oui. Il n'y a pas de ponctuation ? Il n'y a pas de point à la fin des phrases ? Non. Il n'y a qu'une phrase ? Oh la vache, mais le Suisse marche sur l'eau, bon sang de bordel. Ah là, j'applaudis aussi, ça c'est bien joué. Incroyable, il fait 166 pages, il n'est constitué que d'une seule et longue phrase, et qui se termine par un point d'exclamation.
Alors là, c'est, nous vivons un moment assez historique. Hein. Le Suisse reprend la tête au score. Ah oui, c'est l'apocalypse. Logiquement, on va prendre des grenouilles sur la gueule demain. Hein. On va pas se tromper. Il va pleuvoir des fers à repasser. Chef. Ça fait 10 jours. Question suivante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets britanniques ont eu une idée très particulière pour affaiblir, entre guillemets, Hitler. Quelle était cette idée ? Préparer un faux débarquement ? Non, alors là, je te parle de faiblir Hitler lui-même. Ouais, la personne. Sa personne, oui. Je sais pas, remplir ses repas de laxatifs ? Pas de laxatifs. Est-ce que ça a à voir avec les artistes allemands qui étaient expatriés pendant la guerre ? Non. Attends, t'as dit pas de laxatifs, ça veut dire il s'occupait de ses repas ? Je ne sais pas. Alors, moi, il me semble... Attends, il le convoquait à des espèces de réunions pour faire des pactes ou des choses comme ça, mais ça servait à rien, c'était juste pour lui faire perdre du temps. Donc tu veux dire que les services secrets anglais convoquaient Hitler pour des réunions ? T'en es là ? Non, pas les services secrets, mais eux avaient organisé, fait en sorte que ça se passe. Non. Avec le gouvernement officiel. Ce n'est pas ça. Des réunions d'urgence, tu sais. Non. Il mettait de la merde dans sa bouffe, mais des saloperies dans sa bouffe. Alors, c'est un projet qui n'a jamais été à exécution, qui a été étudié jusqu'à très loin. Et effectivement, l'idée, c'était de mettre des choses dans la bouffe d'Hitler. Mais qu'est-ce que ça pouvait être ? Des trucs radioactifs ou du poison ? Du ténia. Non, non et non. Empoisonner l'eau de la ville dans laquelle il se trouvait ? Non. La ville de Staline. Non plus. Nalité des propositions ? De la viande cachère. C'est inconcevable, Dave. Alors oui, on venait me proposer de la nourriture cachère. Sinon, on me propose des toutes petites doses de cyanure. Non. Et de la drogue à petite dose, du laxatif. Non et non. Des petits bouts de viande vu qu'il était végétarien. Ah. Moi, c'est tout. Alors, je vous écoute. On a essayé, on voulait lui donner à manger son chien. Non. On voulait lui faire manger Eva Braun. Non plus. Bon, ça doit être des Anglais, ils ont... bon, quand même, c'est pas non plus des... Bah, ils voulaient lui servir de la bouffe anglaise. Voilà, mais là, malheureux. Du pudding. Ça, c'est vraiment inhumain, quoi. Tu peux pas faire ça à quelqu'un. De la panse de brebis farcie. Vous allez trop loin, je suis pas prêt d'entendre des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que les services secrets avaient prévu de mettre dans la bouffe d'Hitler ? De l'huile de foie de morue. Non plus. Pour les glutamates. Tu dis du ? Du glutamate. Non. Du phosphore blanc. Non, et pas de la microthermite non plus. De la sciure à la place des pâtes. Non. C'est un aliment ? Non. Ah, Nali, du céleri. Non, c'est le tour de Nali. Nous l'écoutons. Alors, on me propose des crottes de rat. Non. Du verre pilé. Non. Nali, t'as autre chose ? Du plomb, non. Du mercure, du gluten, du lait. Oh, ça va trop loin. Du sable. Non. Alors, je veux vous donner un indice. Hitler avait des goûteurs. Donc, il aurait fallu éviter quelque chose qui puisse se remarquer aisément au goût. Du plâtre. Du plâtre. Non. C'est quoi, une épice ou une herbe aromatique ? C'est pas un aliment. Et je vais te dire qu'il fallait pas que ça ait du goût. Alors, si tu mets de l'épice dedans, ça peut être... Comment il peut mener au score, lui ? C'est une blague ou... Du LSD, des gouttes de LSD. Just what is LSD and what does it do? Non. Quand je vous donnerai la réponse, vous allez être scandalisé. De l'eau lourde? Non. Du pipi. De l'acide chlorhydrique? Non plus. Je pense que les goûteurs l'auraient senti, l'acide chlorhydrique. La tête du goûteur. Peut-être plusieurs trucs qui seuls ne se détectent pas, mais combinés ont un effet particulier? Non, alors je vais vous donner la réponse. Nelly, pas de proposition ultime? Elle n'est plus. Alors, si, pardon. Alors, on m'a proposé donc de l'urine, des poils, du fil dentaire, quelque chose de radioactif, le sperme de Churchill, ou quelque chose que je ne sais pas prononcer, du strychnine. Ah, de la strychnine, d'accord. Ouais. Strychnine. Alors, aucun de ces réponses, et Nelly, tu vas être absolument outré par la réponse que je vais donner maintenant. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets britanniques ont sérieusement étudié l'idée. Donc c'est passé par plusieurs phases d'expérimentation, de féminiser Hitler en glissant dans ses repas des hormones féminines. Je vous avais prévenu. L'objectif était de diminuer son agressivité et son autoritarisme afin de l'affaiblir face à ses généraux. C'est SJW dégueulasse. C'est la progestérone. Très sûrement, des hormones. Les estrogènes. Les soviétiques sont sympas, faut pas les envahir finalement, non. C'est finalement, on va faire du tricot. Putain, grosse pute. Ça doit faire bizarre quand même, parce que abattre Hitler avec des préjugés de genre. On va en faire une gonzesse pour qu'il soit plus faible mentalement. Nelly, est-ce que tu es oppressée ? Ah oui, ça m'oppresse complètement.
Donc voilà, l'idée était réalisable, même si elle paraît farfelue, car même si Hitler avait des goûteurs, ses hormones sont parfaitement indétectables au goût et à l'odorat. Donc c'était voilà, nos amis anglais qui, par moments, ont des tentatives d'avoir des idées. C'est un bon anglais, c'est un anglais. Bref. Question suivante. L'araignée banane. C'est une araignée qui vit sous le climat équatorial, si je ne pas l'utilise, qui est une araignée très agressive et venimeuse. Mais son venin pourrait avoir des applications médicales. Quelles seraient-elles ? Anesthésie locale. Non. Érection. Problème d'érection. Exactement. Le point va être ami alien. C'est un vasodilatateur. Vous pourrez croire qu'il y a un jeu de mots douteux avec araignée banane et l'érection, mais non. En fait, son venin est déjà mortel, tout simplement, mais il a la particularité de provoquer chez l'homme une érection particulièrement forte et douloureuse. Et du coup, les scientifiques espèrent pouvoir s'inspirer du fonctionnement de ce venin pour justement créer des médicaments luttant contre les troubles de l'érection. Un super Viagra, en somme. C'est l'araignée Viagra. L'araignée Viagra. C'est Sympathic Boy, ça. Sympathic Boy, tu as de l'avenir, finalement, sur Terre. Question suivante. Un point pour Alien. Hein. Question suivante. Est-ce que ça va être la dernière? Il m'avait dit 15 minutes. On va voir. Question suivante. Nous avons eu des questions qui traitaient l'animal qui vit le plus longtemps sur Terre. Quel est, en 2008, a été découvert l'animal le plus vieux qui n'avait justement jamais été découvert? Quel était cet animal? 2008? Une méduse? Non, non. Attends, l'espèce la plus ancienne ou l'individu? Un individu. Toujours vivant. Absolument. Bah, le même animal que ce qu'on avait dit l'autre jour, l'autre fois. Non. Et ce serait pas un arbre? Non, 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 je parle d'un animal. Un animal. D'œuf, un éléphant. J'ai tout tête. Non. J'avais dit un tardigrade. Mais... Une tortue qui avait 300 ans ou une connerie de genre. Alors, info, 410 ans, la bestiole. Donc là, je te parle, on est avant François Mitterrand. Ah, bah, un peu en plus. C'est un animal marin? Un sphénodon. Oui. Un genre de calamar géant? Non. Alors, un cétacé, une grosse baleine? Non. Non vertébré? Un crocodile. Dans l'ordre, Alien repose sa question. Est-ce qu'il est vertébré? Non. Une méduse qui réamorce son cycle de vie à chaque fin de vie, elle redevient jeune? Non. Nelly, nous prenons les positions du chat. Alors, ça a fusé, une pieuvre, un petit rat, un requin, un poulpe, c'est pareil. Elvis Presley, une baleine, un pangolin, du corail. J'allais dire ça. Un corail? Non. Une étoile de mer? Un arthropode? Non, non. C'est un coquillage, une conque. Exactement, c'est un coquillage, à vos buzzers. Une huître? Une palourde. Putain, mais c'est dingue. Le point va s'en passer. Ah non. Je reste sans voix, hein. Je vous préviens tout de suite. Moi, j'arrête bistronomie, hein. C'est sympathique, boy gagne. Hein. Bon, alors oui, l'animal le plus vieux jamais découvert est une palourde pêchée en 2008 au large de l'Islande. Alors, son âge est estimé à environ 410 ans, grâce aux stries qu'elle a sur sa coquille, ce qu'on fait pour, par exemple, pour des arbres avec les cernes. Hein. Et elle fut baptisée Ming, en référence à la dynastie qui régnait en Chine à sa naissance. Et a priori, on estime qu'il y a des palourdes encore plus vieilles qui existeraient au fond des océans. On n'a pas la preuve formelle, mais de nombreux scientifiques s'accordent à penser qu'il y aurait même encore plus vieux dans le fond des océans. Moi, je pensais que c'était parce qu'ils avaient retrouvé son acte de naissance chez les Mormons. Mais... Oui, c'est ça. ils ont trouvé ses papiers d'identité à côté de l'accident, à côté de l'attentat. Un passeport. C'est ça, un passeport. Coincé dans le filet. Coincé dans une tour. Bref, très bien. Dans une tour ? J'ai rien dit. Alors, ah oui, alors, dernière question. Attends, faites-moi un point sur les scores, parce que là, si Sympathic Boy, il faut qu'on trouve 7 points pour Sympathic Boy, 2,5 pour le chat, moi et Dab, et 2 pour Gu. Bon, bah écoutez. Non. Ouais. Écoutez, il est tard, je vais vous laisser. Hein. J'ai une question pour Sympathic Boy. Si on regarde dans ton historique de recherche internet, est-ce qu'on va trouver Palourde Mathieu? Je suis en train de zapper sur un site de rencontre, là, pour l'instant. Et je suis sûr que tu cherches des palourdes, mais ça c'est pour ton plaisir personnel. Il y a peut-être des trucs qui ont des odeurs de palourdes, mais ça je ne le sais pas encore. Peut-être lourde, tout court. Bien, dernière question. Alors. Elle vaut beaucoup de points, j'espère. Bah non, on peut pas. C'est le Suisse qui va gagner, c'est comme ça que je fasse quoi. Question suivante. Il est blasé d'av. Bon, il y a un petit message pas agréable. Question. Eschyle était un dramaturge grec qui était considéré par ses pairs comme le père de la tragédie grecque. Un monsieur extrêmement important dans la structuration de la tragédie grecque, mais on peut pas forcément toujours être un grand personnage et avoir une mort à la hauteur de sa vie. Il est mort d'une façon particulièrement ridicule, ce sera notre dernière question. Comment ce personnage-là est-il mort? En tombant d'une scène? Non. C'est un accident domestique? Non. Il s'est trompé d'accessoire? Dramaturgie, donc il s'est trompé d'accessoire et il a pris le vrai poignard au lieu du...
Alors, je vous aide, il est tard, ça n'a aucun rapport avec la dramaturgie en général. Allez chercher plutôt du côté de Darwin Award, si je peux me permettre. Ah, ben, c'est pas lui qui est mort bouffé par des loups, une connerie genre. Non. C'est des pratiques sexuelles? Non. Il s'est étouffé en mangeant. Non, il s'est pas étouffé en mangeant. Nelly, est-ce que tu as des réponses qui viennent du chat? Alors, on me dit la dysenterie. De dysenterie. Non. Alors, ça. Mort en faisant caca. C'est... non. Tué par son médecin. Oh, joli. Mort en selle, superbe. Tué par son médecin. Non. Attaqué par son public, mais bon. Non. Il a oublié de respirer. C'est impossible. T'es pas Perceval, et c'est impossible. Tué par son chien. Non, je vous aide pour que abréger l'humiliation que Sympathic Boy vient de vous infliger à tous. Infliger. Il est mort parce qu'il a pris un truc sur la tête. Mais qu'est-ce qu'il a pris sur la tête? Le ciel. Darwin Award, hein, lâchez-vous. Un piano. Non. Une lyre. Non. Un pot de fleurs. Non. Une sandale. Non. Une météorite, pour de vrai. Non, ça aurait été cool, mais non. Lâchez-vous, hein. Darwin Award, hein. Je me cherchais pas. Un oiseau. Un oiseau qui est mort et qui est tombé sur la... Une branche. Une branche qu'il était en train de couper. Non, Dieu. Un grillon ? Non. Des grenouilles ? Non. Nelly, c'était une proposition étrange dans du chat. Une enclume, un animal lâché par un oiseau, un iPhone. Alors, un boulet. C'est effectivement un animal lâché par un oiseau, mais il va falloir me... Attends, finis une Nelly, tortue. Pour rigole. Oh putain, il a un point de plus. La puissance, c'est la puissance. C'est la puissance. C'est la puissance. La puissance. Et voilà, il a une tortue sur la tête lâchée par un animal. Nelly, excuse-moi, je t'ai coupé. Finis quand même par les réponses du chat, on va les entendre quand même. Non, bah, c'est tout, là, c'est... Non, bah, voilà, qu'est-ce que je vous dis, Sympathic Boy, il y a le point, il y a que lui qui peut penser à une tortue sur la tête, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il pense en même temps, un truc dur qui tombe, une tortue. Ouais, ça te disait qu'il le savait pour la tortue, c'était lui, c'était la sienne, mais bon, voilà, on peut que compatir. C'est une technique de beaucoup d'oiseaux, ça, de jeter de... des tortues. Ciel les tortues. Alors, moi, probablement, mais je connais peu de cas de gens qui sont morts de ça. Et voilà, il serait mort en recevant sur le crâne une tortue lâchée par un rapace, alors qu'il se promenait en 456 avant Jésus-Christ dans les contrées siciliennes. Il y avait déjà des oiseaux à l'époque. Comment il peut avoir gagné? Comment il fait pour gagner, quoi? Moi, je vous dis, je démissionne immédiatement. C'est le mec marche sur l'eau, qu'est-ce que je vous dis? Bon. Alien, s'il te plaît, essayez de briser cet état de léthargie pour nous donner le score. Donc, malheureusement, Sympathic Boy gagne avec 5 points. Et il vous écrase en plus. 5 points, oui. Alors que Dave, moi et le chat, on est à 2,5 points, donc la moitié, et Ju est à 2 points. On a vraiment été écrasé par Sympathic Boy, c'est vraiment honteux. Le rouleau compresseur suisse. C'est particulièrement terrorisant. Donc, je pense que demain, il va se passer quelque chose de grave sur Terre. Et en plus, t'as pas commencé si tard. Si t'avais commencé 5 minutes plus tard, je partais me coucher. Et ça évitait l'humiliation à tous les bistronomes. Vous savez, il y a des gens qui ont vu en direct d'autres gens marcher sur la Lune. Je pense que c'était un événement moins important que ce qui vient de se passer ce soir. Ça restera gravé dans les annales. Dans les annales, oui. Alors, avant de laisser le mot de la fin à tout le monde, je vous remercie à tous ceux qui ont écouté le chat et les participants. Je voudrais vous signaler que dans deux semaines, la bistronomie spéciale qui opposera le chat au bistronome directement de Caen. Les bistronomes surentraînés avec le nouveau champion suisse Sympathic Boy qui commencera à 11h pétante la semaine prochaine. Les bistronomes contre le chat. Dans deux semaines. Dans une semaine, Sim fera son bistrof comme habituellement. Dans deux semaines, émission spéciale à ne pas louper. Nous serons enfin qui domine le bistronome entre le chat et les participants habituels de cette émission. Vous en saurez plus dans deux semaines. Je vous expliquerai comment ça va fonctionner une émission spéciale. Je vous laisse à tous un dernier mot. Nous laisserons pour finir le Suisse. Alien, un petit mot. Joyeux anniversaire de ta mort, Louis XVI. Dave. Merci à tous. Félicitations aux Suisses. Grand gagnant. Dieu. Pour une fois que la Suisse gagne quelque chose, c'était pas mal. Nelly, si tu veux nous dire quelque chose. Non, merci. Voilà. Et nous finirons. Je vous souhaite à dans deux semaines pour l'émission spéciale Chat contre Bistronome. Et le mot de la fin ira à Sympathic Boy. Toutes mes excuses. Voilà. Merci à tous. À dans deux semaines. Au revoir. Ciao. Hello.